Salut Chabot, comment tu vas? Ça va et toi, ami? Là, je suis actuellement avant le pont de fer. Ça va. Je suis actuellement avant le pont de fer, là, voilà. La nuit a été longue. Quand tu as 4 jours de repos et que tout d'un coup, on te met un jour de travail. Tu t'habitues à dormir la nuit, le matin tu travailles 2 heures parce que t'as des affaires à faire, en deux là. Là tu travailles une nuit, donc bim, ça t'assomme, tout ça pourquoi? Pour revenir au repos pour une semaine. Il dépipe. D'accord, hachi. Ah ouais, génial. Eh bien, tu vois, là, moi, je suis en train de me taper 4 journées d'affilée. Donc là, aujourd'hui, c'est la deuxième. Et après, mardi soir, eh bien, je repasse en nuit. Ok. Mais là, tu vois, tu vas entendre beaucoup mieux parce que je suis sur le pont de fer. Alors, peut-être que tu entends beaucoup mieux, peut-être pas, parce que avec la ferraille, je sais pas ce que ça va faire, quoi. J'ai un problème avec ma courroie d'accessoires, ça patine. Voilà. Et donc, je suis sur le pont d'eau, quoi. Ah si, ça passe, hein. Putain, par contre, la vache, j'ai mis la voiture à chauffer là pendant 10 minutes, parce que là, il fait moins 2 ce matin. Et là, quand j'ai mis les essuie-glaces, putain la vacherie, j'ai le gauche là qui s'est baisé, au niveau de l'axe apparemment. Donc il faudra que je vois ça pour resserrer le boulon éventuellement. Enfin, pour ma part, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Et parce que là, c'est un petit peu emmerdant là. Ah, mais généralement, tout ce qui est plaquettes de frein, essuie-glaces et tout ça, quand ils gèlent les véhicules, ils aiment pas trop ça, quoi. Les véhicules, ils aiment pas trop ça. C'est pour ça que moi, sur la voiture, ma frein, ou sur un camion, je le fais pas. D'ailleurs, je suis con parce que je devrais le faire, enfin bref. Mais sur les voitures, généralement, ce que je fais, je mets pas de frein à main, l'hiver. Tout simplement parce que j'ai des garnitures qui... t'as les garnitures qui viennent se coller donc sur les tambours et donc il suffit que ça gèle, donc tu descends un peu pour un autre et les garnitures en fin de compte qui se décollent. Voilà, donc c'est pour ça simplement que j'enlève mon frein avec, je mets une vitesse à chaque fois, voilà. Ouais, mais t'as entièrement raison, c'est ce que je suis aussi, hein. Voilà, hein. Mais là, toi, pourtant, 10 minutes de chauffe de voiture, la ventilation à bloc, et j'ai eu des gaz qui sont restés collés quand même. Ah, mais tu vois, attends, comprends, j'ai vu que je me suis décalé en fréquence, attends, je me recale. Ouais, mais on a M, ça va, je le sens pas, quoi. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, mais c'est parce que ma pote, cette fois, ça passe pas, des fois, ils sont en école. Ça me le fait aussi en BMW, c'est chiant, il y a des moments où je parle, et justement, mais quand t'es concentré sur la route, tu t'en aperçois pas forcément. Alors du coup, mais de temps en temps, je regarde, et je vois qu'ils se décalent, donc je le reconnais un petit peu, quoi. Voilà. Bon, alors, garçon, c'est terminé, quelle heure, le QSO, parce que du coup, je peux plus être là, moi, j'ai essayé de me connecter un petit peu sur le forum après, mais comme j'avais des ondes à faire à l'intérieur, donc toutes les 45 minutes duraient des ondes à faire, la ronde a duré un peu longtemps parce que enfin, c'était le bordel, donc du coup j'ai dit c'est même pas la peine que j'y aille parce que je vais me dégoûter moi-même, quoi. Je vais être obligé d'y aller, de repartir, d'y aller, de repartir, j'ai dit ça sert à rien, allez, hein? Donc voilà quoi. Eh bien, pas longtemps après toi, puisque il a fallu que je dise que ce matin je devais me lever à 4 heures pour que ça y est, ils aient pitié de moi et le QSO s'est arrêté là, quoi. Oh merde. Ah d'accord, bon, mais ça va, ils ont été compréhensifs. Ça va, c'est sympa. Ouais, ok. Là, je suis à Mouillès, c'est là, devant mon club de tennis quasiment, voilà. Par contre, je commence à moins de sortir là par contre, je sais pas si de ton côté t'as bien de sortir. Ah bah tu m'étonnes, tu me casses les oreilles. Ah là tu vois c'est passé mieux quand même. Voilà, là c'est beaucoup mieux passé, bon je sais pas. Je
sais pas, il est perte de la langue, j'en sais rien. Mais quand je suis en train de parler, quasiment pas, je suis en train de le faire. Mais j'avais une perte, quoi. Je sais pas si tu t'es pas ça le fait, toi. C'est la première fois que ça m'a fait ça. Oui, non, mais attends, t'inquiète pas pour ça, j'étais sur les petites routes de campagne, donc je t'ai attrapé par le côté, là maintenant j'ai pris la nationale, et donc là je suis dans le sens Castillon-Libourne, et je suis beaucoup mieux placé là pour toi, là. D'accord, ok, pour moi, tu vois, je suis dos à toi, j'ai le cul vers toi, mais après, là, je vais tourner, voilà, j'ai encore le cul vers toi, et après, je passe de l'âme et je serai de côté vers toi, le côté droit vers toi, ouais. Ouais, d'accord. là, je suis rentré là, dans Saint-Pédarmont, hein. Là où il y a le... Ouais, bon, Saint-Pédarmont, tu connais. Hein. Ok, ok, ben là, tu vois, moi, je sors de Mouillette. Je sors de Mouillette, je suis le deuxième de Valle. Et voilà. Et là, en fait, c'est un chemin, c'est pas où, en longeant la Dordogne. En longeant la Dordogne. Ok, ok. Ouais, ça baisse le signal, ça baisse. Ah, j'arrive pas à sortir. Attends, répète, Raymond. Ouais, je disais que le signal baisse. Ah oui, tu veux qu'on se mette le 25 USB. Le 25 USB normal. Ok, c'est parti. C'est parti. Ok, voilà, pour ma part, j'y suis, donc sur le canal du forum Les Ondes du Routier, ok, en uniforme Sierra Bravo, bon, je pense que là, tu as peut-être eu le temps de me clarifier, je sais pas, le poste est encore un peu franc, et bien voir ce que ça donne. Ok, bon, j'essaie de tout faire en même temps, là, c'est un petit peu hard, là. Ouais, donc, voilà, là, je sors de Saint-Pédarmont. J'attaque, et bien voilà, il y en a que je suis à 80, et voilà, je viens de monter à 90, mais ça fait rien, il y en a qui me doutent les peaux là déjà, dès le matin, quoi. Et bon, parce que moi je m'intéresse à 200, bon, tant que c'est pas en voie de connard, ça va, ça me rassure. Oula, eh, moi j'ai les cuirs là, de mon côté, là. Ça me casse les oreilles, ça me casse les oreilles, et je t'ai perdu un petit peu en puissance. Ouais, bon, ouais, bah parce que, ah oui, ouais, c'est vrai que suivant où on passe et tout, là, bon, de toute façon, moi je suis dans la ligne droite, hein, donc là, ça va, tout va bien pour moi, hein, hachis. Bon, si tu veux, on va pas insister plus longtemps, on va passer QRT là, et puis ça va être bon, quoi. Alors voilà, quelque chose qui est pas bien, voilà, là ça vient passer, là, tu vois, mais ça dépend de là où on se trouve, ça dépend, je sais pas si moi j'arrive à passer de mon côté, je sais pas. Ouais, ça va, ouais, y a pas de problème, surtout le retour bip, oh la vache, si au niveau modulation, je pourrais arriver à te perdre, quoique là c'est pas du tout le cas. Le Roger Bip, lui, il n'y a pas de problème, il rappelle que t'es là. Hein. Oui, voilà. Oh, je m'en fous, hein, perso, hein, ça me dérange pas, hein, c'est bon. Hein. Ah, bon, c'est bon. Ah, tu t'entendais bien avec lui, vous avez le même caractère, non? Hachi. Ah, c'est très bien, hein.
Ah merde. Ah, ça s'est ajouté, là, hein. Ah oui, putain, il y a de la glace, là, je vois, là, sur les côtés, là. Ah, c'est pas grave. Là, tu vois, je suis arrivé dans le chemin de chez moi, là. Je suis arrivé dans le chemin de chez moi, et pour te dire, j'ai la 406. Elle est jolie, la 406 à ma femme, elle est jolie aussi, et je suis dans la merde, je peux plus me garer. Ah si, voilà. Ouais, ouais, affirmatif, là j'essaie de voir en même temps au niveau des sud-glaces comme ça là en roulant. Putain la vacherie, ouais, c'est l'axe il a dû se meuler on va dire là au niveau des crans parce que là y a, ça ne fonctionne plus. Ouais, mais toi, là, je me suis fait avoir comme un débutant, là, pour le coup, là. Et toi, pourtant, après avoir mis pendant 10 minutes la voiture à chauffer, vu que c'était bien pris, ventilation à bloc, eh bien, ça fait rien. Hein. L'essuie-glace gauche est quand même resté collé. Et ça m'a emmené, ça m'a niqué les rainures, là, qu'il y a sur, autour de l'axe de l'essuie-glace. Ah ben j'ai passé les bigarous, hein. Voilà, donc là j'ai passé la butte qui a aussitôt après les bigarous. Hein. Donc ok, la butte après les bigarous, la boîte de nuit ou pas? La boîte de nuit, non pas encore. Non, non, bah, attends, hey, c'est pas une fusée que j'ai non plus, c'est une voiture. Non, pas la boîte de nuit, la boîte de nuit. Ah ben oui, forcément, si j'ai passé les bigarous, la boîte à images qui se trouve en plein milieu des bigarous, je l'ai passé avec, hachi. Et c'est bon, j'ai réussi à passer incognito, il m'a pas flashé, quoi. Bon, à 18h pour reprendre demain matin à 6h. Par contre là je suis en train de te perdre moi là. Donc je vais te laisser, voilà j'arrive sur Libourne, je suis en train de passer du côté de c'est quoi, c'est Gifli, Foirefouille, enfin ces trucs là. Là où il y a l'hôtel Ibis là sur la droite. Hein. Voilà, là je suis en train de te perdre complètement. J'arrive sur la butte là, de l'hôtel Ibis, donc là je profite de là pour t'envoyer les bonnes 113-51, bon 144, et amuse-toi bien pour ce soir. Ok, du coup je vais prendre un petit peu la puissance du micro là, pour que tu m'entends un peu plus loin, pour que ça porte un peu plus, je pense que ça prend, mais bon, ok. Ça marche, bonne nuit, amuse-toi bien, à plus. Ok, ça fait quoi quand je bloque le micro, ça augmente un peu la puissance ou pas pour toi là? Ben, c'est que je m'éloigne en même temps, alors ce qui fait que je me rends pas forcément compte. Ok. Allez, bye, à plus. Bye, à plus. Attention, Coco 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Voilà, je sors du pont, là, je suis sur l'autopont, là, je vais passer bientôt derrière au champ lac. Ouais,
Ouais, ouais, j'ai Roger, il n'y a pas de problème, je t'entends bien, moi, de mon côté. Voilà, je suis en ce moment derrière Décathlon, je vais bientôt arriver derrière au Champ-Lac pour attraper après le pont d'Aquitaine. Affirmatif. Voilà Coco, je l'ai pas entendu encore, là je sors juste du pot, tu m'entends là? Eh bien décidément. Ok Coco, voilà, est-ce que tu m'entends mieux là? Ok, oui, j'ai des amitiés à toi, voilà, ouais, on est... Je me suis mis un petit peu en fréquence, je savais que tu allais débrancher, c'est pour ça. Voilà. Bon, mais là, je vais remonter mon Polytix que j'ai débuté avec, là, le Petrus Pacific 560. Voilà. Est-ce qu'il passe bien? Tu m'étonnes. Tu me casses les oreilles ici, là, sur le pont d'Aquitaine. Ah, ok, bon, ça va, c'est ce qu'on parle de vendredi, là, tu vois. Bon, mais c'était un premier DTX que j'ai débuté avec, là, voilà, dans les années 80, début 80. Ce TX là, donc il n'y a pas 16 dessus, c'était le 35 qui était déclaré à la gendarmerie. Ok, c'était Santiago 8 là pour moi ici, une bonne radio 5 bien forte. Ok, bon ça, mais c'est super, voilà. T'es sur la modèle ce soir? Non, 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 là j'ai pas le temps là ce soir. En plus de ça, toi, je reprends le pro demain matin. Et là, j'ai un petit peu les glandes. Attends, je suis carrément là au sommet du pont d'Aquitaine. Alors, les stations en fréquence. Eh bien, sur 1351 à vous tous de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et pour ce qui en est de la circulation sur le pont, c'est tout cuit et rodin de sens. Voilà, non, j'ai pas le temps de mettre en fréquence ce soir. Parce que je reprends le pro demain matin. Alors par contre là c'est l'angoisse, c'est que je reprends à 9h30 demain matin. Et comme tu le sais certainement, à partir de 7h10, le pont d'Aquitaine, ben, c'est complètement bouché quoi. Alors d'ici que je sois obligé de partir, que je sois dans le coin 2h avant l'heure, ça n'est pas loin quoi. Ouais, là je suis là dans le trou là après le pont là du côté de l'Ormont là, je suis pas loin de c'est quoi la sortie? La sortie 2. Voilà, là je suis dans les environs là pour attraper ensuite l'autre rocade. Eh bien oui, c'est pour ça que je te disais, justement, là, je suis dans le trou, la chie. Attends, voilà, là, j'arrive sur la bretelle d'accès pour attraper l'autre rocade. Là, ça doit passer un peu mieux. Ok, oui, je te dis la bonne soirée à toi, et bisous à toi, merci, Rickel. Voilà, et puis, je te dis, bon, mais la prochaine sur Modèle, il n'y a pas de problème. Ça marche, à plus. Voilà, j'ai dû lâcher le micro précipitamment. Oui, il y a des virages là, par ici. Ok, bonne soirée à toi, à plus.